Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Une fois de plus, devant vous, le Daéré, Ramzi, le Daéré, comme vous savez. Voilà, je suis une fois devant vous pour l'émission Fafa, Ivoire TV Musique. Vous avez vu déjà le clip, vous savez déjà de qui il s'agit. Je suis avec l'artiste. L'artiste qu'on cherche dans ce pays, on ne le trouve pas. Il est rare, il ne sort pas. L'unique. Voilà ma main. C'est comment, frère? Ouais, tranquille, hein. On gère, ça va, on est là. Et les oui. Ouais, on est dedans. Ah, mais on sent que ça va. Quand tu regardes, on sait que. C'est un peu, non? L'argent est là, ça va. Non, ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Dieu est fort. Toujours. Alors, merci beaucoup de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Fafa. Alors, dis-moi, tu es rentré au pays, ça fait déjà combien de temps? Depuis 2016, hein, mais je fais la navette, en fait. Ah, d'accord. Je fais un peu un essuie-glace, quoi. Mm-hmm. 2 mois à Abidjan, 3 mois à Paris, 3 mois à Abidjan, 2 semaines à Paris, bon, ça dépend. Ouais. Voilà. D'accord, super. Alors, Lunique, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Ouais. Il y a certaines personnes aussi qui ont entendu parler de toi, même des personnes qui te connaissent, qui t'aiment. Il y a plein qui ne savent pas comment est-ce que tu as commencé, qui ne connaissent pas la genèse de ta carrière. Ouais. Est-ce que tu peux déjà, là maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu as commencé? Ouais, j'ai commencé dans les années 2005. Mm-hmm. En 2005, déjà, moi, je suis un déplacé de guerre parce que moi, je suis un moro de Boaké. J'étais à Boaké dans mon petit coin. Puis en 2002, il y a eu la guerre. Donc, je suis venu à Abidjan. Je suis obligé de rester. Donc, j'étais là en tant que déplacé de guerre. Et comme ça, en 2005, parce que moi, mon père, il était militaire, tu vois. Donc, j'avais perdu mon père, tout ça. Donc, pendant la guerre. Ouais. Ah bon? Voilà, c'est ce qui m'amène à la musique. Donc, du coup, en 2005, j'ai dit, bon, faut que je fasse quelque chose. Je rends hommage à mon père, mais profiter pour rendre hommage à tous les corps habillés, en fait. C'est comme ça qu'il est sorti mon premier son, Mouno Yako. Voilà, donc c'est ce qui m'amène véritablement à la musique. Donc depuis 2005, j'ai commencé. 2005, après Mouno Yako, en 2008, j'ai sorti un album où on a retrouvé, moi, mon papa, il est vieux, Nayuto, tout ça là. Voilà. Après ça, c'était un peu bizarre le pays. Donc, il y a Pangol, non, sur le côté. Voilà, je suis à la Bengue. On va parler de tout ça. Voilà, si Paté est revenu, et puis bon, il est sorti Abidjan, risqué, tout ça, GPP, et puis bon, on est là. Super. Mais ta carrière, ça va. On sent que tu montes petit à petit, tu es dans ton coin, tu ne fais pas de bruit, mais tu avances à ton rythme. Dieu fait grâce, non. On travaille, bon, c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc, on travaille pour ça. D'accord. Grâce à Dieu, en tout cas, ça va. D'accord. Mais dis-moi, quand tu as commencé, c'est vrai, le pays était un peu bizarre d'une manière et tout, mais est-ce que tu as rencontré vraiment des difficultés? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont opposées à toi, qui ont tout fait pour ne pas que tu puisses émerger? Est-ce que tu as rencontré les mêmes difficultés que la plupart des artistes rencontrent dans leur début, dans le milieu? Franchement, si quelqu'un a posé ce genre d'action, c'est que c'est dans le noir. Parce que, à ma connaissance, non. Franchement, à ma connaissance, j'ai pas eu quelqu'un qui a essayé de freiner ma carrière. Tu n'as pas eu de difficultés, hein? Ou bien... Bon, en tout cas, je suis venu avec mon petit son, mon premier son déjà. C'est vrai que j'ai eu des difficultés parce que j'avais pas, mon producteur ne connaissait pas le milieu, moi non plus. C'était qui ton producteur? C'est un monsieur du nom de Mimbo Serge Camille, voilà, qui était au quartier, qui était un ami à ma grande soeur. Et à chaque fois qu'il venait voir ma grande soeur lui a dit, ah, mon petit frère chante, tout ça là. Et c'est comme ça qu'il m'a écouté chanter. Il a dit, bon, il y a tes produits. Lui-même, on ne s'y connaissait pas. On est venu comme ça dans le moment. Donc même pour passer à la télé, c'était compliqué. Donc c'est un gars qui m'a vu prester à un mariage. Comme il a vu que j'ai chanté le nom de John Chahin, c'est comme ça, lui, il m'a pris, il m'a introduit chez John Chahin. C'est un ami, un gars qui m'a vu comme ça. Après, on est devenus des amis, il s'appelle Martin. D'accord. Mais il travaillait, il était ingénieur du son à l'émission de John Chahin. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'il m'a envoyé là-bas. Puis j'ai commencé à passer dans son émission. D'accord. Super. Mais dis-moi, moi je te voyais dans tes débuts. Bon, moi, je t'ai connu à l'époque où tu tournais avec un certain Malik Chaboté et puis les gars, tout ça, machin. Mais nous, on aura appris que vous êtes séparés en queue de poisson avec Malik Chaboté. Non, c'est mon vieux moro. On est toujours ensemble. On est ensemble. En fait, on avait une équipe. À l'époque,
ça c'était en 2007-2008. Ouais. 2007, voilà, ouais. Voilà. Quand j'ai sorti, on a bossé sur l'album Gratitude, là où il y avait Nayuto, ouais, tout ça là. Voilà. Donc avant la sortie de l'album, tu sais, quand il y a le miel, ça attire du monde. Mmh. Voilà. Il y avait du monde autour parce que mon producteur, ça allait chez lui. Et avant la sortie de l'album, c'était le même, hein, l'album, c'était le même. Non. J'avais changé. J'ai changé de producteur après l'autre album. Mmh. Donc, il a rencontré quelques difficultés. Donc, ça a fait que beaucoup de gars l'ont laissé. Mais Malik, c'est quelqu'un qui est resté fidèle. Il est resté avec nous jusqu'à ce qu'il nous présente le vieux Père Niawa Josué, que vous avez vu figurer dans le clip. Moi, mon papa, il est vieux, c'est lui qui était mon papa. C'est quelqu'un qui connaissait le showbiz, voilà, qui maîtrisait le mouvement. Donc, c'est lui, Malik me l'a présenté. Puis bon, le vieux Père a continué le travail avec nous, puisque Malik lui-même, à côté de ça, il avait son boulot, l'infographe. Donc, à plein temps, il ne pouvait pas être avec moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. Hein. Ah, donc, ceux qui disent que tu as été un gars avec Malik et tout ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu es sûr que c'est non, c'est... Moi, je suis un gars. L'album même s'appelait Gratitude, tu vois. Moi, je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Tu es très reconnaissant. En tout cas. Ah bon? Non, moi je suis reconnaissant. Si tu me fais quelque chose là, il y a fois, je reconnais que tu as fait quelque chose pour moi. Demain, si je dois te le rendre, même un merci, c'est beaucoup. Ouais, moi, il fait ça. C'est super. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours avec l'unique. Les vraies questions arrivent un peu. Et là, le monsieur, qui lui pose la question, il veut fuir. Il ne veut pas fuir. C'est parfois, c'est comme ça. Tu as sorti Abidjan est risqué, tu as sorti GPP, tout ça, machin. On sent que l'inspiration, c'est-à-dire que tu t'inspires un peu de tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour. Le prochain single, là, ça va parler de quoi? C'est ça. Parce que tu as attaqué Abidjan risqué, tu as attaqué la GPP, maintenant tu as attaqué qui? Non, le prochain single, c'est tout simplement on danse. Tu vois, d'accord. Voilà, on danse, ça n'a rien à voir avec GPP ni Abidjan est risqué. Tu vois, il ne faut pas toujours faire les mêmes choses. Mm-hmm. Voilà, un artiste, c'est ça, il faut crier. On danse, c'est quoi? Je parle de... Je donne des conseils pour dire il faut profiter de la vie. D'accord. Tu vois? Quand tu as l'argent, faut profiter. Faut te mettre bien. Faut te mettre bien. Il y a des morts, ils ont l'argent, ils sont malades. Et même pour se soigner, c'est un problème. Demain, ils douffent, on voit que non, le gars, il avait jet. Donc quand tu as jet là, faut te mettre bien. Mieux vaut faire envie que pitié. Là, quand on cherche, c'est pour s'épanouir. Donc quand tu as l'argent, faut... Il y a pas tout à l'heure on va bien parler de ton prochain single. Mais dis-moi, ton départ sur la France, nous on a appris beaucoup de choses ici. Hein. Ton pied là, ça va maintenant. Tu as appris quoi? Ton pied ça va maintenant. Mon pied, ouais, ça va, tu as vu que marcher pour venir saisir venir à Béki. Ah, parce que nous on nous a dit que à Paris, dans tes débuts, c'était chaud. Non, il parce que tu es sauté par la fenêtre. C'est pas à Paris, hein. C'est en Suisse, à Genève. Tu as sauté par la fenêtre. Il est sauté, oui. Ah bon? Oui. Tu as sauté pourquoi? Non, il est sauté parce que en fait moi j'aime pas les foutaises. D'accord. Voilà. Tu as laissé le passeport dans les mains, tout ça. Oui, moi il est sauté. Moi je suis un gars. Vraiment, c'est un défaut. Mais l'orgueil, c'est un défaut pour moi. Quand on se parle et puis on se dit quelque chose, puis on est d'accord, demain, il ne faut pas changer. Ah bon? Qui t'a parlé, qui a dit et puis a changé? C'est le promoteur qui m'a envoyé là-bas. D'accord. C'était quel promoteur? C'est le Fafa, faut dire Doudou Sticker de Genève. Doudou Sticker de Genève. Qui est un ami. Uh-huh. Bon, il m'a fait partie. Uh-huh. Ok, moi, je lui ai dit, bon, écoute, vu que moi, j'ai ma famille, ma petite famille, ma femme est en France et tout, puis la situation du pays est un peu bizarre. Moi, je vais rester un peu en attendant. Et puis, après, quand les choses vont s'arranger au pays, je vais rentrer. Il m'a dit à Foy. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le dernier spectacle qu'on devait avoir, c'était à Toulouse. Mm-hmm. Moi, j'étais à Paris. Il m'a appelé. Il dit non, on a un spectacle à Toulouse. Il faut que je vienne. Mm-hmm. J'ai dit OK. Donc, je pars à Toulouse avec deux jeans, deux t-shirts, puisqu'on fait la soirée. Et puis le lendemain, je rentre à Paris. En temps, le lendemain, mon visa s'expirait. Non, deux jours après, ça devait s'expirer. Ok, donc on est arrivé là-bas, on a fini la soirée. Zo, mon vieux père, comment il s'appelle là, vieux gazeur, m'appelle et dit, ah fils, c'est comment? Le pays est bizarre. Hein? Tu sais que nous, on a chanté pour les morts là, non? Là, tu es mon bon petit. En tout cas, moi, je suis en train de pan, viens, on pan. Il dit, allez, vieux. Comment? Il dit, ah, moi, il va à Paris. Hein. Il dit, la nuit, là, il dit, oui, il va à Paris, petit, viens en partie. Il paye ton billet. Il dit, non. Il a déjà causé l'élément.
Pourquoi pas essayer de manger quoi, c'est comme si j'ai trahi ce qu'on s'était dit. Donc moi, il ne peut pas partir comme ça. Donc, il dit, ok, là, le vieux, il faut partir, moi, ici, là. Le vieux est parti. Moi, il était là. Lui-même, il est venu me trouver dans ma chambre. Ah, il me dit, ah, le vieux, attends. Il dit, ah, il y a Fologo. Non, on est ensemble. Il dit, bon, on fait comment? Moi, il retourne sur Paris. Il dit, non, il y a un dernier truc à faire à Genève. Il faut qu'on retourne à Genève. Moi, jusque-là, moi, j'ai confiance. Moi, j'ai déjà parlé. Il y a les Mogos qui quittent ici. Ils arrivent à Beng, là. Et ils pendent. Ils sont venus faire spectacle. Ils veulent gagner temps, là. Ils gagnent temps. Passeport, tout ça, ils laissent dans vos mains. Il n'a pas besoin même de te suivre. Souvent même, ils ne font même pas les spectacles et puis ils gagnent un temps. Moi, jusqu'au bout, moi, je le suivais. À la base, c'était Toulouse. Après, il rentre, il dit, on va à Genève. Ok, on y va à Genève. Je me souviens même qu'on avait raté le vol. Le gars a payé très cher. Il a payé un billet d'avion très cher pour que je puisse partir avec lui à Genève. Donc, on est parti à Genève. On est arrivé là-bas. Déjà, il n'y avait rien à faire. Il me fait asseoir. Il me dit, bon, demain, tu dois partir à Abidjan. Je dis, aïe, comment ça, demain, tu dois partir à Abidjan? C'est un rapatriement ou bien c'est quoi? Et si tu es à Abidjan, en venant ici, venir des valises. Ouais, là, là, c'est ce qu'on s'est dit. Oui, tu sais ce qu'on s'est dit. Là, là, il y a deux jeans, il y a deux t-shirts. Il me dit, il va à Abidjan. Il va à Abidjan comment? Il dit, non, il faut que tu partes à Abidjan parce que, voilà, voilà. Il dit à la famille, c'était pas ce qu'on s'était dit. Moi, à Abidjan, là, déjà, j'ai libéré ma maison, j'ai vendu mes voitures, parce que pour moi, en tout cas, j'allais rester ici un bon moment, le temps que les choses se stabilisent. Bon, là, tu me fais partir à Abidjan, je dors où? Là, là, il m'a Abidjan, il arrive net, là, je dors où? Je roule dans quelle voiture? Il faut arrêter ça. Ah, il me dit, lui, c'est qu'est-ce que moi, demain, il m'en va à Abidjan. Dis, ah, ok, il y a feuille. Je suis à Genève aussi, chez lui. Il était au salon, dans le salon. Lui, chez sa maman, lui ne dormait pas là. Il est rentré chez lui. Il a laissé les consignes, tout ça. Donc, matin, lui devait venir avec ses gars, les prendre en partie à l'aéroport. Et ils ont fermé la porte du salon et puis ils sont dans la chambre avec la clé. C'est-à-dire que c'est comme une prison, en fait. Il n'est pas sorti. Moi, c'est ça là que j'ai vu en foutaise, tu vois. Père à son âme, Daisy Champion, c'est avec lui que j'étais. Et je lui ai dit, vieux, tu vois la situation, non? Il a commencé à rigoler, il dit, ah, petit, il dit, ah, vieux, moi, il a gagné un temps. Aïe, tu as gagné un temps, comment? On est ici au troisième étage, comment tu as gagné un temps? Il dit, vieux, il a gagné un temps. Il dit, non, c'est pas pro, ils sont en train de gagner, tu as tapé porte. Il dit, il ne va même pas taper porte pour les déranger. Je regarde le film, justement. Soit il meurt ici, ou bien, je ne sais pas, il ne va pas bidjan, en tout cas. Parce que si il meurt là, c'est comme, c'est pas le fait de partir, c'est mon pays. Est-ce que je ne suis pas là, je ne suis pas revenu? Voilà, c'est mon pays, mais tu vois, tu ne peux pas trahir la confiance de quelqu'un. Quoi. Depuis Paris, il pourrait dire que non, il ne vient pas jouer à Toulouse. Bien. Ou bien de Toulouse à la nuit, il pourrait pas, à Evie Gazet. Est-ce que vous l'avez revu ici? Il n'a pas. Ouais. Il ne pourrait pas. Donc il dit non, moi, je ne peux pas. Non, c'est foutaise. Même. Il était couché comme, toi, mais s'il réveille, non, vieux, ça, c'est trop foutaise. Il y a mon ordinateur portable donné. Il dit vieux. Faut prendre ça là, sac tout ça là. De toute façon, j'ai un guinéen, tu jettes dedans. Ça ne sert à rien même. Moi, il pend. La nuit là, il est sauté. Par la fenêtre. Oui. Non, il n'y a pas. Troisième étage. Il est sauté. C'est mon orgueil qui a fait ça. Il est sauté. J'ai jamais voulu parler de ça, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai des séquelles. J'ai des douleurs au niveau du pied. Parce que quand on m'a fait le diagnostic après, parce que j'ai eu triple fracture du calcanium, c'est-à-dire les os du talon. Voilà, ça a été fracturé trois fois. Donc. Tu as sauté du troisième étage. Oui, j'ai sauté. Non seulement, je me suis cassé la jambe, et j'ai perdu connaissance. Et c'est que personne n'a su encore jusque-là. Lui-même, il ne sait pas. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis retrouvé, il y avait des jeunes de son quartier. Bon, c'est des Blancs qui passaient et ils m'ont vu coucher. C'est eux qui se sont approchés, ils m'ont tapé. Et puis, je me suis... Voilà. Parce que j'ai regardé l'heure à laquelle j'ai sauté. Mais après, je ne savais plus ce qui s'est passé. J'ai sauté vers les 2 heures du matin. Mais j'ai repris mes esprits. Il était 5 heures par là. Mais tu as eu la chance, le gars pourrait venir te trouver là. Mais s'il me trouvait là, il allait avoir des problèmes. À lui, ils allaient demander
Moi, je ne voulais pas lui créer des problèmes. Sinon, si je suis dans cet état, on va lui demander, mais pourquoi je suis dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et puis le pays était bizarre. Je pouvais demander l'asile politique pour dire que non, voilà, voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses, mais chez les Blancs, ce n'est pas ici. Voilà. Je ne fuyais pas parce que je ne voulais pas qu'il m'attrape. Hein. Non, ce n'est pas ça le truc. Je partais parce que, c'est mon, comme je le disais, c'est mon orgueil qui m'a amené. Non, mais l'unique de toi, moi, la FAFA, on pose les vraies questions. Oui, vas-y, hein, moi, je réponds ta question. Toi, tu vas en France, tu vas en Europe pour des spectacles. Tu as un visa bien déterminé. Ça, tu as un visa d'une période bien déterminée. Et toi, on t'envoie dans le pays des gens pour aller chanter. Et toi, tu décides de rester là-bas. Oui. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Mais il faut que tiens-toi bien. Bien avant que j'aille en Suisse, j'étais déjà allé 7 fois en France. Mm-hmm. Je pouvais rester là-bas. 7 fois là. Quand il m'en va là, on me donne visa 3 mois. Il vient, mais il fait 2 semaines, il revient. Mm-hmm. Tellement qu'il n'est pas resté là-bas. C'est une situation qui amène une situation. Tu comprends? Mais quand quelqu'un vient te voir pour dire, ah, Ramzi, voilà ma situation. S'il disait que tu ne peux pas l'aider là, il ne faut pas le mettre en confiance. Mm-hmm. Tu ne peux pas là. Tu lui dis, frère, moi je ne peux pas. Hein. Mm-hmm. Moi je ne peux pas. Tu vois, non? Ouais. Et puis c'est bon. Mm-hmm. Tu ne peux pas, tu dis, je ne peux pas. Mais il ne faut pas me dire, tu peux. Et puis à la dernière minute, tu trahis ma confiance. Oui. Mais quand tu trahis ma confiance, moi je ne réfléchis plus. C'est ça. Voilà, moi je ne réfléchis plus de comment ça s'est passé pour toi, si ça s'est gâté pour toi, ça ce n'est plus à mon niveau. Mais pour moi, tu as trahi ma confiance. Il fallait me dire que non, au début, que voilà, voilà le mouvement. Ouais. Que si tu y restes, c'est comme ça, ça ne m'arrange pas. Donc il faut faire comme si. Moi, je te dis clairement, soit, bon, je n'y vais pas. Ou bien même, quand il t'a dit que non, il est resté là, tu pourrais annuler mon visa. Puisque c'est toi qui m'as introduit. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Mais aujourd'hui, là. Quels sont tes rapports avec le Justiqueur? C'est ça ma force en fait. Je ne sais pas garder de rancœur. Si je te sors mon Facebook tous les jours, je l'écris. Moi-même, je lui ai proposé de venir jouer à son festival à Genève. Je lui ai proposé. Après, il dit qu'il est rentré en contact avec mon manager, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas pu. Moi-même, je lui ai proposé ça. Moi, je lui dis toujours. Toujours, hein, je lui dis. Après ça, je lui ai dit merci parce qu'après, il est rentré en contact avec ma femme, avec mes amis. Il était à Genève. Moi, j'étais encore à Genève. Il ne savait pas. Quand j'ai sauté là, je suis resté à Genève 5 jours. Ah bon? Et je voyais sur Facebook, la nouvelle avait pris partout. Oui, il pensait qu'il était à Paris. L'unique a sauté par la fenêtre. Il appelait en France pour dire, ouais, l'unique, il est en France là-bas. Il est chez Manu Lele, il est chez un tel. Longtemps, j'étais à Genève. 5 jours après, quand les choses sont calmées, tu vois, quand ton cœur est bon là. Moi, je ne connaissais personne à part lui. Hein, mais je t'explique comment j'ai quitté Genève. Oui, vas-y. Quand les jeunes là m'ont réveillé, que j'ai repris des esprits, m'ont demandé où j'allais, j'ai dit non, que je vais voir un pote. On dit, ils disent, tu peux aller. J'ai dit oui. Tu sais, quand ton pied se casse là, c'est comme si on avait mis une maison même sur ta tête. Tu ne peux pas marcher. J'arrivais pas à marcher. Mais eux, ils étaient quittés dans leur mouvement, ils rentraient chez eux. Ils m'ont dit ça va aller, j'ai dit oui, ça peut aller. Je ne sais pas, peut-être ils m'ont pris pour un gars qui est soumis, je ne sais pas, mais bon. Donc j'ai commencé à boiter un peu après, j'ai commencé à ramper pour sortir sur la route. Et je sors sur la route, il y a une voiture qui me dépasse. 25h du matin, il n'y a pas trop de voitures qui roulent. Il y a une voiture qui me dépasse, la voiture arrive devant, elle fait marche arrière. C'est un Ivoirien qui joue au foot en Suisse. Qui est dans la voiture, qui m'a reconnu, qui est revenu en arrière. Il dit, mais l'unique, qu'est-ce que tu fais là? J'étais chez ma copine, on parlait de toi à l'instant. Monte dans la voiture. C'est qui le footballeur? Non, c'est pas... C'est les gens... En fait, je t'explique. Le Fafa, c'est quelque chose de cru, c'est quelque chose de vrai. Ce monsieur, non, c'est quelque pas... part, il t'a aidé. Oui, il m'a aidé, mais c'est pas un footballeur connu en Côte d'accord. d'Ivoire. Il joue là-bas, il s'appelle Meïté. Moi, je ne le connaissais pas. C'est salut Meïté, salut voilà. Famille. Il est revenu et puis il m'a pris dans sa voiture. Puis il m'a dit, ah, qu'on était en train de parler même de votre mouvement, là, qui paraît que vieux gaz est parti, que voilà, voilà. J'ai dit, ah, c'est ça qui est là. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai expliqué la situation, il a dit, mais c'est pas possible. Où qu'il vient? Allons ici et t'envoie chez moi. Les Ivoiriens sauront que tu es chez moi. Passer de bouche à oreille, quelqu'un peut venir chez moi et puis la nouvelle va se répandre. Laisse, allons, je te prends une chambre d'hôtel. M'a pris, je suis resté à l'hôtel pendant 5 jours. Il a payé. Et comme il est footballeur, il m'a fait les premiers soins
par rapport à ma blessure, parce que les footballeurs aussi se cassent la jambe, tout ça là. Donc il m'a donné des trucs qui m'ont calmé la douleur, tout ça là. 5 jours après, quand ça allait, c'est lui encore qui m'a appelé. Puisque moi, j'avais, en fait, je partais comme ça, j'ai même pas l'argent, j'ai rien. En tout cas, j'étais dans la main de Dieu, quoi. C'est bien sûr, moi, il m'en vais. Dans tout ton entier, tu vas parler. Voilà. Je ne savais pas comment il allait faire pour arriver à Paris, puisque la Suisse n'est pas dans l'espace Schengen. Moi-même, je ne sais pas où je m'en vais, mais il m'en vais. Et c'est parti. C'est comme ça, le gars, 5 jours après, il m'a pris. Il m'a envoyé à la gare de train pour que je puisse partir à Paris. Il m'a dit, puisque je n'avais pas de truc de passeport, tu ne peux pas voyager sans un document. Donc, il m'a dit, moi, il reste ici, il était réel parti. S'il y a drap, il est venu, intervenu. Il est en train de partir. Il ne peut pas marcher. Donc, je boitais pour partir. Il y a un blanc qui est venu, qui m'a mis au dos. Donc, je partais, le blanc, arrivé au poste de contrôle. Le policier demande papier. Ah, qui est là, le blanc, il m'a laissé. Il dit, ah. Bon, il n'est pas de papier sur moi. Lui, il était dans le coin quand il a vu ça. Il est venu, il a intervenu. Il a dit non, c'est mon petit frère, c'est un artiste ivoirien. Il est venu ici, mais il a perdu ses documents, tout ça là. Ils ont tapé mon nom, l'unique sur Facebook et sur YouTube. Ils ont vu mes vidéos, tout ça. Ils ont dit ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, c'est comme ça, ils m'ont laissé. Puis, j'ai pris le train. Je suis parti à Paris. Ouais. Donc, maintenant, quand tu es arrivé à Paris, bon, tu es rentré à la maison, tu t'es refait et tout ça, machin. Et la vie à Paris, la vie à Paris, c'était comment? J'ai fait un an sans pouvoir marcher. J'ai fait un an sans marcher. Et c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Bon, c'était se moquer parce qu'ils n'avaient pas vu la gravité de la chose. Mais bon, les gars, ils se moquaient. Ah, il a sauté. Même toi, tu vois. Mais je pouvais perdre la vie, mais c'est mon orgueil. Après, c'est vrai que j'ai eu quelques regrets parce que j'aurais pas dû. Bah, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Je pouvais venir, mais l'orgueil, souvent, ça fait faire des choses et puis on regrette, tu vois, non? Donc, voilà. D'accord. Quand je suis arrivé, j'ai tapé un an d'abord sans pouvoir marcher. Donc, c'était chaud. Parce que je peux pas aller chanter, je peux rien faire. Donc, je suis resté. Madame, elle a géré, voilà. Jusqu'à ce que mon pied, maintenant, puisse reprendre tranquille. Et puis bon, j'ai repris les activités, un peu. Donc là, tu es venu au pays, tu as les papiers maintenant. Mais oui, si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas venir. Non, mais là, tu viens de te promener. Fais le malin sur nous dans ce pays. Non, je ne fais pas le malin, mais c'était pas évident. Hein. Franchement, il faut avoir un moral d'acier pour pouvoir vivre ce qu'il a vécu. Ouais. C'était pas facile. Chacun a son histoire. Tu vois, non? Voilà. Donc, mon histoire, c'est celle-là. Mais les gens racontent des choses qu'ils ne savent pas. Parce que souvent, moi, j'entends, ah, ouais, il a fait ceci, il est parti à Beigne, il est avec une vieille blanche. Il est, bon, tout ça là, c'est des histoires. Est-ce que c'est vrai? Non, comme je dis, c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. Moi, je suis le gars qui dit la vérité. Tu as vu là, moi, il t'a expliqué l'histoire. Si tu veux, Doudou, même, tu l'appelles. Parce que lui-même, il ne sait même pas comment ça s'est passé. Lui, la seule personne, paix à son âme, qui a su, qui savait comment j'ai sauté, mais il était dans le salon, il ne savait même pas que j'étais en bas, que j'étais en train de mourir. Paix à son âme, des champions. C'est avec lui que j'étais. Et ça, il n'a jamais dit à personne. Il a gardé ça pour lui. Il a gardé ça en secret. Et quand je suis revenu à Abidjan, chaque fois qu'il le voyait, il dit, ouais, ce monsieur, c'est un homme. Parce qu'à aucun moment, personne n'est venu me dire, ah, Désir a dit que non, c'était comme si, c'était comme ça. Même quand il voit Nash, souvent, il se moque. Il dit, ah, t'as sauté ça. Mais personne n'a expliqué. S'il y a une personne qui pouvait expliquer, c'était ce monsieur-là. Parce que c'est avec lui que j'étais. Ouais. Et il a gardé ça. Il a emporté ça dans la tombe. C'est ça, on est un homme. En tout cas, de là où il se trouve, je profite de votre caméra pour dire que ce monsieur-là, il fut un grand homme. Alors, Lunique, dis-moi, tu as vécu à Paris pendant un bon moment et tout ça. Maintenant, bon, tu fais les va-et-vient, tu fais les allées, les venues et tout ça, machin. Voilà. Comment est-ce que, selon toi, comment est-ce que tu juges les Zougous actuellement? Comment est-ce que tu vois? En tout cas, comment est-ce que les Zougous se portent selon toi? Pour moi, ça va. Hein. Zougou se porte très bien parce que avant, en tout cas, quand moi je compare un peu le succès que j'avais avant et puis quand je suis revenu de Paris, le succès d'aujourd'hui, les voyages que j'effectue à travers les nombreux pays, ces voyages-là, je ne les faisais pas avant. Donc je vais dire que le Zougou s'exporte encore mieux aujourd'hui
Donc je peux dire que le zouglou se porte super bien. D'accord, d'accord. Mais ça se porte, c'est pas parce que tu fais plus du zouglou. Parce mais que les gens disent, c'est pas moi, bon, moi d'abord, je pose des questions. D'abord, les gens disent que le Nick fait plus du zouglou. D'abord, le il faut qu'on sache c'est quoi le zouglou et puis c'est quoi le coupé décalé. Qu'est-ce que ça dépend de la personne qui l'écoute. Qu'est-ce qu'on appelle zouglou, qu'est-ce qu'on appelle coupé décalé. Parce que, vendu ta chanson a bien risqué là, ça c'est, ça, c'est coupé décalé. Sauf que tu as chanté un peu, tu as expliqué un peu les choses, mais que c'est découpé, décalé. C'est pas moi qui dis, c'est les gens qui disent. Allez. Donc, moi, ils posent la question. Bon, en tout cas, moi, il fait la musique. Hein. Mm-hmm. Voilà, il fait la musique. Donc, après, ça dépend. Tu fais du coupé, décalé, mais tu fais du zouglou. Mais, Joe, ça dépend. Mais coupé, décalé, c'est musique. Zouglou, c'est musique. Mm-hmm. Voilà, moi, je fais la musique ivoirienne. Que ce soit coupé, décalé, que ce soit zouglou, c'est la musique ivoirienne. Mm-hmm. Je suis un ivoirien, je suis fier de faire la musique ivoirienne. Voilà, donc ça dépend. Dans la carrière d'un artiste, c'est-à-dire quand on sort les albums, par exemple, bon, je prends un exemple tout bête. Arafat, il a fait reggae, non? Est-ce pour autant qu'il n'est plus artiste coupé décalé? Si, il n'est toujours artiste. Alors, donc si je fais une chanson qu'on juge ça de coupé décalé, ben, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, il vient entendre ta bouche. J'ai fait du zougou. Il m'a dit la vérité, mesdames et messieurs. J'ai fait du zougou. Hein? C'est du zougou, d'accord. Donc, c'est du zougou, en fait. C'est du zouglou. C'est du zouglou, mais que je fais à ma manière. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Un zouglou de manière unique. Oui, ah, comme le Kélépé. Voilà. Ah, d'accord. Mais dis-moi, aujourd'hui, les vieux pères, les anciens, ne se sentent pas dans le style de zouglou que vous faites. Quand je dis vous, je veux parler de toi, je veux parler des révolutions. Parce que voilà, vous avez ajouté toi, révolution. Je veux parler d'Amaral. En tout cas. Il y a une génération là qui est en train de façonner le zougou d'une certaine manière. Et il paraît que les anciens, les corons, là, ils ne se sentent pas dans... Mesdames et messieurs, quand on dit les corons en Côte d'Ivoire, c'est les anciens. Hein, les doyens, les vieux et les doyens. Voilà. Ben, ils ne se sentent pas dans ce que vous faites. C'est vrai ou c'est faux? En tout cas, moi, il n'y a pas un ancien qui m'a dit, mon petit, ce que tu fais là n'est pas bon. Il n'y a jamais un ancien qui m'a conseillé, qui m'a mal conseillé en tout cas. Mm-hmm. Quand les anciens me voient, ce qu'ils me disent, c'est que mon petit, en tout cas, félicitations, tu es sur la bonne voie, on te soutient. Si c'est de l'hypocrisie aussi, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les anciens, là, comme met Abidjan risqué, tout le monde est comme ça. Ouais. Voilà. Donc, ancien ou nouveau, mais je pense que l'essentiel, c'est que le message passe. Mm-hmm. Tant que le message passe, arrêtons les histoires des... Il fait plus ceci, il fait plus cela. Joe, on fait la musique. Mm-hmm. Voilà, le but. La musique, c'est une question d'inspiration. C'est une question d'inspiration. Le comment je ressens la chose, c'est comme ça que je donne. Donc, c'est ça. Moi, je pense que les anciens qui n'aiment pas le mouvement, mais il faut qu'ils comprennent que dans la vie, c'est comme ça. C'est étape par étape. Au début du zouglou, là, est-ce qu'il y avait des tests? Il n'y avait pas de tests. Quand on faisait mamie, ton aloko là, c'est trop doux là. C'était pas des tests, c'était de l'animation. Les gens ils prenaient des mots bien. Souvent, c'est des chansons du village que les gars ramenaient pour chanter. Il y a eu une génération qui est arrivée avec les saloupas et tout ça. Ils ont ramené les zouglous avec des tests. Il y a eu Espoir 2000 qui sont arrivés aussi avec du zouglou, avec des tests, je vais dire, soutenus. Parce que le gars, quand il te place un mot en français, tu t'en cherches dans le dictionnaire pour savoir de quoi il parle. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous, on vient avec notre brin de sel. En fait, c'est tout ça là, c'est pour l'évolution du mouvement. Voilà. Moi, aujourd'hui, l'unique, j'ai regardé le zouglou de 90 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu une chanson où il y a des rimes. Tu vois? Sinon, moi, je n'ai jamais fait de voyant. Hein. Je n'ai pas eu la chance de faire du voyant. Je n'ai pas appris le mouvement. Donc, je suis venu ici tomber dedans comme ça. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Ce que je peux apporter là, c'est ça que j'apporte. Tu vois, moi, quand je fais des chansons aujourd'hui, quand vous écoutez les chansons de l'unique, c'est avec des rimes. Temogoupan, Bekopan, Tantanpan, voilà, comme, tout ça. La poésie. En fait. Voilà, c'est ça. Et c'est dans les écrits que tu vois la différence. Donc, il ne faut pas vraiment les corons, les vieux pères vont le prendre mal. Mais nous, on essaie d'apporter ce qu'on peut. On ne donne que ce qu'on a. En fonction de vos capacités. De nos capacités et de nos inspirations. Par inspiration, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas à apprendre pour dire non, on choisit. C'est là et ça vient quoi. Ça vient. C'est divin. Personne, aucun artiste ne va t'expliquer comment il a eu une chanson. Parce que tu es là, puis il y a une situation ou bien quelque chose qui t'inspire. Et puis, voilà, paf, c'est parti. Donc, voilà. D'accord, super. Super. Alors, Lunique, dis-moi.
Est-ce que tu as de bons rapports avec les femmes? Les femmes ou bien les fans? Non, pas les fans, les femmes. Les Attends, femmes. On a appris que tu fatigues un peu trop les femmes. Ah, les femmes. Vraiment, qui a dit ça encore? Non, moi je ne fatigue pas les femmes. Hein. Non, moi-même là, moi c'est un gars, tu vois, les femmes, pour moi, les femmes c'est la vie. Les femmes c'est la vie. C'est ce que vous dites et puis derrière les couloirs, vous faites non, les couloirs. Moi, il c'est facile pas. De s'arrêter, la femme pour dire la femme c'est la non, vie. Non, moi la c'est un gars bien. Autre chose. Non, Ramzi, moi c'est un gars bien. La femme je la respecte. Mm-hmm. Et puis tu vois, c'est le respect quoi. C'est le respect et puis. C'est ça. C'est ça. D'accord. Je sais qu'aujourd'hui, tu es toujours avec madame, non? Ouais, oui. Ouais, d'accord. Toujours. Bon, je sais qu'aujourd'hui, madame est là et tout, mais dans le passé, tu as eu un clash avec une go. Elle dit tu as bouffé son argent. Oh, et puis après, tu l'as jeté. Vraiment. Toi, tu utilises le fait d'être un million garçon pour exploiter les femmes. Hein? On dit tu es un gigolo, tout ça. Non, cette histoire-là, vraiment, franchement... Elle est sortie dans les journaux, tout Abidjan en a parlé. Ouais, c'est... Tu vois, la femme reste ce qu'elle est. Tu vois, la femme reste ce qu'elle est. Moi, c'est une fille avec qui j'étais. Et quand on est ensemble, on se partage les choses. Moi, je peux te faire un cadeau, tu peux me faire un cadeau. Tu vois, c'est vrai, elle m'a offert une voiture. Je reconnais, mais c'est par amour. Mm-hmm. Mais en même temps... C'est pas parce que tu m'as offert une voiture que moi, je dois être à ta merci. Si je suis à ta merci, maintenant, là, maintenant, ça devient maintenant le gigolo là. Mmh. C'est-à-dire que parce que j'ai un quelconque intérêt avec toi, mmh. que je me comporte comme ça. Ouais. Mais comme ça n'a pas marché entre nous, bah, elle est allée dans les journaux pour raconter ce qu'elle a raconté. C'est vrai que ça avait un peu terni mon image, mmh. mais grâce aux fans et aux Ivoiriens, Hey, c'est pas tout ça qui a fait que tu allais rester en France. Bref, c'est tout ça aussi. Non, je pouvais pas fuir à cause de cette histoire-là. C'est vrai qu'à un moment de ma carrière, ça m'a embêté. Mais heureusement que les choses sont revenues mm-hmm. en ordre. Mais les gens ont vu, les gens du milieu aujourd'hui comprennent ce qui s'est passé. Et ils ont vu, les gens la voient, ils savent comment elle se gère. Voilà, on a vu, elle a eu d'autres relations, on sait comment ça s'est passé. Donc toi tu es content que ce soit mal passé? Non, je ne suis pas content, mais c'est pour dire que ce n'est pas moi le mauvais. Mais si c'est moi le mauvais là, mm-hmm. où tu es parti là, ça a marché là-bas, mm-hmm. ou bien. Mais si à chaque fois ça ne va pas, c'est que c'est toi qui dois te poser la question. Mm-hmm. C'est toi qui as un problème. Voilà. C'est toi le problème. D'accord, l'unique, d'accord. Mais est-ce que tu envisages de faire un concert live? Oui, c'est prévu, mais pour l'année prochaine. Voilà, c'est prévu pour mars 2019, mm-hmm. mon live au Palais de la Culture. Avant cela, il aura la sortie de mon troisième album, mm-hmm. et troisième marche qui va sortir mm-hmm. dans le mois de janvier. Mm-hmm. Et puis en mars, on va se retrouver au Palais pour dire merci mm-hmm. à tous mes fans. Et ça fait longtemps quand même, merci dans le moment, il faut mm-hmm. reconnaître. Ouais. Ça fait longtemps, donc il faut que tu fasses un voilà, c'est vrai, j'avais fait un break 6 ans sans sortir de moment, j'étais pas là, je suis revenu maintenant. Bon, j'ai reconquéré à nouveau le cœur des fans, donc c'est bon. Bon. Super. Alors, dis-moi, aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a une nouvelle vague de Zougoumen voilà, qui fait du Zougou d'une autre manière. Apparemment, ça plaît pas à certains, mais ça plaît au public en tout cas. Le public aime et tout. Aujourd'hui, là, comment est-ce que toi tu vois, comment est-ce que toi tu définis tout ça? Quels sont tes rapports avec ces nouveaux artistes tels que Révolution, tels que Bénédiction, tels que Védi Amaral, tels que... Yabongo, tout ça. Yabongo, voilà, Yabongo Lova et tout ça. Voilà. Les leaders et tout. Quel est toi ton regard par rapport à ça? Non, moi c'est une fierté, tu vois. Ça me fait plaisir de voir ces jeunes-là, de voir cette nouvelle génération-là qui monte. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Révolution a eu un prix là, au Burkina Faso, le Koundé d'or. Je pense que c'est l'un des premiers artistes Zougou à avoir ce prix-là, cette distinction-là. Donc, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, quand j'étais en France, je suivais un peu l'évolution de ces artistes-là. Il y a Bongo, les leaders, tout ça. Et c'est tout ça même qui m'a motivé. J'ai dit, mais ah, il faut que je revienne. Mais oui, les gars sont en train de prendre du terrain. Il faut que je vienne les aider. Et puis ensemble, on va propulser le mouvement.
Donc quand je suis arrivé au début, même la chanson Abidjan est risquée, je devais faire ça en featuring à Révolution. Mais je suis arrivé, ils n'avaient pas vraiment le temps, ils n'étaient pas disponibles. Donc c'est comme ça que je l'ai fait seul. Sinon, c'est une chanson qu'on devait faire avec le groupe Révolution. Donc, mais bon, je pense qu'il y a une autre chanson qu'on va faire. Vous allez vous attendre, vous allez vous rattraper devant. Voilà, on va rattraper devant. Donc c'est une fierté. Je suis content que ça se passe comme ça. Super. Parce que au moins on sait que la relève est assurée. Ouais. Voilà. C'est important. C'est très important. D'accord, super. C'est bien que tu sois content pour les autres. Parce que ce n'est pas tous les artistes qui sont contents de voir les autres artistes mousser, comme on dit en Côte d'Ivoire. Quand ça marche pour les autres, bon, le gars il est assis, il est gris, ça lui fait mal, il va critiquer tous les jours. Donc moi j'ai ma philosophie, hein. Je dis toujours aux artistes, si les artistes Zouglou, s'ils sont reconnaissants, ils sauront. Et chaque fois qu'il y a un artiste Zouglou qui sort quelque chose, quand vous allez sur ma page Facebook, je fais la promotion de tous les artistes Zouglou qui sortent, sans distinction. Quand ça sort là, je fais la pub, je balance, je fais des commentaires, je fais des vidéos, je mets pour inciter mes fans à aimer ce que ce gars l'a fait. Parce que pour moi, c'est comme au marché. Tu vois, au marché là, beaucoup de femmes vendent à ticket, mais chacune arrive à avoir son truc. Et ça dépend de comment tu fais ton petit piment, et c'est tout ça qui fait la différence. Si l'autre à ticket est fini là, ils vont venir acheter chez toi aussi. Ou bien il y a d'autres clients qui vont préférer pour toi par rapport à l'autre. Donc c'est comme ça. Donc on est dans un milieu où une seule personne, il y a la place pour tout le monde. Une seule personne peut pas mousser comme on le dit. Quand tu vas dans une soirée là, on peut pas jouer la musique d'un seul artiste jusqu'à la fin de la soirée. Quand on dit Zouglou là, même si c'est toi qui est pour toi mousse plus que tout le monde, mais quand ils vont jouer pour toi là, même si ils ont joué 10 fois là, ils vont jouer pour les autres. Donc tout le monde, chacun a sa place. Donc il n'y a pas de jalousie à faire, il n'y a pas de... Franchement, on doit bosser, c'est tout. On doit travailler pour plaire aux mélomanes, pour propulser notre carrière, pour que notre musique puisse s'exporter. Moi, je pense que c'est à cela qu'on doit s'en tenir. Sinon... Super. Mais toi, tu as, comme tu disais tantôt, tu as fait 6 ans sans sortir de son et tout. Voilà. Bon, on peut pas dire que tu braillais du noir, mais en tout cas, pour un artiste qui a connu le succès, pour un artiste qui est habitué à rentrer en studio, qui est habitué à la foule, qui est habitué à chanter dans les salles remplies, qui est habitué à faire danser les gens, c'est-à-dire quand tu es là, tu fais bouger les gens et tout. Bon, pendant 6 ans, bon, tu n'as pas vécu ça et tout. Et tu reviens au pays, tu sors un son à bien risqué et ça explose. Toi-même, tu sens que le son mousse, ça joue partout. Et c'est comme si tu reprends ta place. Quel est ton sentiment? À ce moment précis, quand tu recommences à avoir le succès, là, comment est-ce que tu t'es senti? En fait, il faut être à ma place pour comprendre, tu vois. Parce que c'était un défi. Quand je suis arrivé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mon petit, tu viens chanter encore ?» Mais petit, c'est pas la peine. Toi, tu as parti faire 6 ans en France, sans même mettre pied au pays un instant. C'est-à-dire que toi, tu es resté là-bas jusqu'à... Parce que quand je suis arrivé, sans te mentir, je prends voiture, j'arrive dans des endroits, je ne sais pas où je suis. J'appelle. Je suis perdu, en fait. Parce qu'il y a des routes qui ont été créées, il y a plein de trucs qui ont été faits derrière moi. Donc, je suis arrivé, même le showbiz, j'étais déboussolé carrément. Tous les gars me disaient, mais petit, vraiment, moi, je te conseille pas mal. Hein. Si y a un conseil à te donner, il faut retenir en France, tu as continué ton gossi. Parce que je n'ai pas su que... Non, il faut regarder les vieux pères qui sont allés là. Ils viennent, ils sortent les trucs, ça ne prend pas. Hein. Non, tu as été fatigué, il faut retenir. Même les vieux pères qui étaient à Paris m'envoyaient des messages. Ils me disaient, toi, tu fais quoi, Abidjan? Tu as perdu ton travail ici, ton son n'a pas moussé là-bas, tu vas rester au milieu. Il faut revenir à Paris. Hein. Ceux qui sont à Abidjan, ils cherchent à venir à Paris. Donc, j'étais. Mais avant de venir, j'étais sûr d'une chose, c'est de mon talent. Voilà. Toute modestie mise à part, j'étais sûr de mon talent. Et je savais que ce défi, je pouvais le relever. Je suis arrivé. Je suis allé voir un arrangeur qui n'avait jamais fait du Zouglou. Mm-hmm. Et tout ça, ça fait partie du défi. Mm-hmm. Cédric Cannavaro, que je profite pour saluer. Ouais, élément, mon fils, Cédric Cannavaro, ma fierté. Je suis allé le voir, j'ai dit, fais ça, écoute. Moi, je suis venu. Les gars disent que je ne peux plus reprendre le pouvoir. Cette chanson-là, c'est quelque part le tournant de ma carrière. Si ça ne prend pas, il est retourné à Beng. J'arrête, je dépose le micro. Mais ça doit prendre. Donc,
Je peux aller chez Olivier Blé, hein. C'est lui qui fait les zouglous ici. Je peux aller chez David Tairo. Toi-même, tu n'as jamais fait zouglou. Et puis, ici, venez, il te donne ma carrière, ça est dans ta main. Il dit, ça fait 3 jours, je suis en train de jeûner. Il a demandé à Dieu, là, qu'à m'envoyer un artiste zouglou, parce que dans couper des carrés là. C'est vrai, il y a un peu de calé. Mais les coupeurs de calé, même, ils sont arrangés aussi. Donc, c'est compliqué. Moi, Zougou, là, vous venez, faites les sons. Donc, vraiment, c'est que c'est Dieu même qui t'a envoyé ici. Il dit, en tout cas, c'est que Dieu a sa main dedans. Puis, on a commencé le son. En 2 jours, on a bouclé. Premier jour, programmation. Deuxième jour, je suis venu poser les voix. Il a mixé. Bam, c'est sorti. Quand c'est sorti là, quand il a mis ça sur internet comme ça, il a dit, mon inbox, ça, ça m'écrit seulement. Non, le son est dangereux. Le son est bon. Le son est bon. Ça ne ment pas où? Quand c'est bon là. Non, quand c'est bon, tu forces pas. Non, tu forces même pas même. Donc, c'est comme ça. Le son est bon, le son est bon. Boum, on a fait le clip. Paf, c'est parti. Et puis, voilà. Super. Ça veut dire que c'est dit qu'on a vraiment mis la travail avec le cœur. Franchement, il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Je fais ta chanson, il ne prend pas 5 francs. Si ça ne marche pas, il ne faut pas revenir. Quand tu es à Beng là, reste là-bas. Lui, tu me vois dans la rue, mais il ne faut plus parler à moi. Mais si ça marche, tu reviens me payer. Mais je sais que ça a marché, tu as venu me payer. Ben, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, mais on est devenus des amis. Tu vois, il est devenu comme un frère pour moi, au-delà du travail, parce que c'est l'esprit là que j'ai aimé. Il pouvait dire, Joe, donne mon Dieu, allez à ce show, hein. Il va faire un truc pour moi, et puis bon, que ça marche, ça marche. Parce que sur lui, il ça prend pour lui en même temps. Oui. Mais il m'a dit, moi, il n'y a rien, ton son. Il sait que tu es parti là, tu es venu me payer. Pas un son, ça, là. Ça a moussé. Ouais. Puis effectivement, aujourd'hui, nos relations, c'est grand frère, petit frère. On est ensemble même. Ouais. Il ne se passe pas un jour. Si on ne s'est pas vu, on s'appelle au moins 3 fois de la journée. Il y a d'autres artistes qui ne comprennent pas. Souvent, même ici en promo, je suis avec lui dans les bars, dans les maquis. Les gars, ils ne comprennent pas. Ah, mais lui, il est sédimé. Non, en fait, on est devenu. La famille. Ouais, c'est une famille. Ouais. C'est super, c'est super, c'est super. Alors, Lunik, moi, j'ai une dernière question pour toi. Là où on est, tu as recommencé à avoir du succès et tout. Aujourd'hui, tu es content et tout. On sait que quand on te voit dans la ville, on sait que le gars, il a enjaillé parce qu'il a cherché ça. Il voulait revivre ça, il est enjaillé. Quand tu croises une ligne dans la rue, il sourit, il n'est jamais fâché. Il est tout le temps souriant parce que ça rentre. Hein, ça rentre. Alors maintenant, mais tu parlais de ton nouveau, voilà, du nouveau single qui sort bientôt, que c'est danser et tout ça. On danse. Voilà. D'où est venue cette idée-là de finalement voilà, en fait, pousser les gens à danser, uniquement danser. En France, j'ai fait 6 mois de formation de musique parce que j'habitais à Paris dans le 19e et le Zénith est juste derrière ma fenêtre et là-bas il y a au Zénith là c'est comme le palais de la culture il y a tout là-bas les musées de musique on fait des formations là-bas j'ai fait 6 mois d'apprentissage ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et dans cette chanson là quand vous allez écouter on danse vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire là, vous allez comprendre ça à travers cette chanson en fait. Parce que je voulais conquérir le public là-bas. C'est vrai que je ne sortais pas de son, mais j'étais en train de voir comment j'allais percer en Europe. Mais pour percer en Europe, c'est facile, en même temps c'est difficile. Quand vous regardez les artistes aujourd'hui qui ont percé là-bas, soit ils ont fait l'enfance là-bas, ils font la musique de là-bas, notamment les Mad James, les Dadju, VG Dream, tout ça, c'est des enfants qui ont grandi là-bas. Ils ont la diction, la manière de faire, parce qu'eux, ils ont leur manière de parler, ils ont leur manière de voir les choses qui est très différente de pour nous. Et si tu dois faire la musique étant là-bas, il faut que tu rentres dans le game, c'est-à-dire il faut que tu t'adaptes par rapport à leur manière de faire, ou si tu dois t'exporter, c'est-à-dire que chez toi, tu as parti de chez toi, tu dois faire mal chez toi avant de partir. Voilà les 2 trucs. Et je me suis dit, bon, comme moi j'avais déjà une place au pays, pourquoi ne pas revenir, puis reprendre la place, cette place-là, puis maintenant me relancer. Maintenant que c'est fait, donc on danse, c'est cette chanson-là que je vais utiliser pour me positionner
au niveau international. Donc quand vous allez écouter cette chanson, vous allez retrouver de la sonorité trap, des trucs comme ça. C'est pour créer une ouverture à l'extérieur, en fait. Est-ce que tu n'as pas peur que tes fans au niveau d'Abidjan se plaignent pour dire, mais celui-là même, on ne comprend plus rien. Il a volé un peu les coupés décalés. Bon, maintenant il veut faire trap, il veut faire afro, bon, on ne comprend plus rien. Est-ce que c'est pas mieux que tu restes dans ton... comme on dit en Côte d'Ivoire, dans ta gamme, mollo, et puis tu arrives là-bas. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu n'as pas peur de perdre certains de tes fans? Non, je n'ai pas peur. Pourquoi? Je n'ai pas peur. Parce que les fans, en fait, il n'y a pas... Les fans, là, ils sont pour tout le monde. Hein. Tu vois, quand on va à un concert, si on va à un concert où il y a plusieurs artistes, quand un coupeur de caleur vient chanter, ça crie. Mm-hmm. Quand un Zouglou vient, ça crie. Mm-hmm. Quand Ismaël Zak qui fait du reggae vient, ça crie. C'est pour dire qu'on partage tous le même public. Ça dépend de comment tu fais ta musique. Donc, j'ai même pas peur pour... Non, j'ai pas peur. Les fans doivent savoir une chose. On fait de la musique. Et à chaque fois, c'est les mêmes fans, si tu fais les mêmes choses, ils vont dire, ah, je veux changer un peu maintenant. Mm-hmm. Voilà. Donc, on se bat pour essayer d'innover à chaque fois. Donc, c'est cette innovation-là que je suis en train de faire. Ah. Non, je ne pense pas que les fans vont mal le prendre parce que la chanson la même là. Quand tu écoutes, tu ne peux pas t'asseoir. Forcé, tu vas danser. C'est super. Voilà. Et que c'est encore une inspiration divine. Ça a tué, même. D'accord, unique. En tout cas, merci d'avoir choisi l'émission Fafa pour dire les choses. En tout cas. Voilà, parce que moi, je suis comme ça. Je pose les vraies questions. Donc, tu dois dire les vraies choses. Ah, ça me fait mal même. Il y a trop de dogs qui cherchent sur toi, ils ne trouvent pas. Je ne sais pas comment tu t'arranges. Je ne sais pas si Tony Torch lui cache les mouvements, il ne veut pas que je t'attache. Je ne comprends pas, mon ami là. Non. Mais c'est rien. Je vais t'attraper encore une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi. Non, ça fait plaisir. T'exprimer et tout. Voici la caméra. Et dis ton mot de fin, mon frère, et on y va. Merci beaucoup à Ivoire TV Musique, à mon frère Ramzi. Bon, c'est ça, c'est Fafa, c'est bien sûr. On a parlé. Donc, retenez une chose. Le Kelempe sort une nouvelle chanson intitulée « On danse ». Ça là, c'est pas pour donner un conseil. Excusez-moi, mais dansons seulement. Parce que dans la vie là, on sait jamais. Handicapé, lui, veut danser, mais il n'a pas pied. Toi, tu as pied, puis tu n'es pas dansé. Faut danser. Voilà. Donc les gars, prochain album de l'Unique, janvier 2019, concert, mars 2019, palette de la culture, il y a trop de choses pour vous. Que Dieu vous bénisse. N'a qu'à nous donner une longue vie seulement. Ce qui est prévu pour nous, on fait ça. Merci beaucoup. Soyez bénis. Fafa, on est ensemble. Qu'elle fait toujours. Mais il faut donner l'exclusivité. Les fans ont besoin de savoir. Le son est trop d'aéré. Je t'invite sur la piste. On va faire la fête. Oh, oh, on danse. Oh, on est là pour le show. On se trompe à la tête. Oh, oh, on danse. Oh, hey. Lève-toi pour danser, tu es dans le show et puis tu veux penser. Hey, ici on est arrivé, c'est qu'on est là, c'est pour chauffer. Hey, lève-toi pour danser, tu es dans le show et puis tu veux penser. Hey, ici on est arrivé, c'est qu'on est là pour s'enjailler. Hey, mon frère, tu as l'argent, n'écoute pas les gens, profites-en maintenant, pendant qu'il est temps. Ah, c'est un super. Merci là-bas. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. C'était l'émission Fafa sur Ivoire TV Musique. Vous allez sur mon compte Instagram, le dernier official. Vous envoyez vos suggestions, vous vous abonnez au compte Instagram. Et on va parler là-bas. Vous allez donner vos suggestions, on va réfléchir, on va voir ce qu'il en est. Voilà, à la caméra, vous aviez celui-là même qu'on appelle William Santiago, Supervision Soko, Roland Le Benguis qui réalise cette émission. Merci de nous suivre, c'est le canal 209 Ivoire TV Musique Fafa avec le Daéré. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. On est ensemble, que Dieu vous bénisse.